Allez, autre actualité sur le plan environnemental cette fois-ci. On sait la gestion des déchets, c'est un des enjeux de la transition écologique. Et concernant la collecte des ordures ménagères, de plus en plus de communes tentent de responsabiliser les usagers en adoptant une tarification incitative, notamment la fameuse pesée embarquée. Alors pour en savoir plus, Olivier Delarue s'est rendu dans un petit village dans le Haut-Rhin, en Alsace, qui pratique cette pesée embarquée depuis 20 ans. Et regardez les résultats, c'est concluant. À Manspach, en Alsace, pour Jérôme, la tournée de ramassage des poubelles ressemble à une chasse au trésor, depuis la mise en place de la pesée embarquée. Bon, vous n'avez pas de chance, il n'y a pas de poubelle. C'est pour ça que c'est vraiment aléatoire suivant la présentation des personnes. Il y a des gens qui vont sortir toutes les semaines, il y a des gens qui vont sortir une fois par mois ou une fois tous les deux mois, suivant les ordures qui jettent. Alors comment ça se passe, la pesée embarquée? Là, c'est très simple. On a une puce ici. On va peser le bac et je vais vous montrer. Sur l'écran, on va voir le numéro de l'usager ainsi que le poids. 5 kilos. À l'origine du système, le maire, Danny Dittmann. Il a fait de sa commune une véritable référence écolo avec un cimetière végétalisé, sur le toit de l'église, des tuiles recyclées et des panneaux solaires et une mairie à bilan énergétique positif. La pesée embarquée, c'est dire aux gens, dans la société de consommation dans laquelle vous êtes obligé d'acheter plein de produits dont vous n'avez pas besoin, des emballages, des trucs comme ça. Eh bien, parmi ceux-là, y a des choses qu'on peut recycler, donc ça c'est très bien. Si vous les triez, vous faites déjà un travail pour le tri, donc on vous les ramasse à l'œil. Par contre, il y a des choses que vous allez acheter, on ne peut pas le recycler. Donc ceux-là, tu les mets dans un bac à part, et ce bac, eh bien, on va le peser. Donc, il ne paye finalement que le coût, effectivement, de cette partie de produits résiduels dont on ne peut rien faire. Économiquement, c'est quand même super intéressant. On est quand même aux alentours de 60 euros par habitant et par an. Soit 30 euros de moins que la moyenne nationale, une réussite étendue depuis 20 ans à l'ensemble des communes environnantes. En poids, nous sommes passés d'environ 400 kilos au début des années 90 à 65 kilos d'ordures ménagères résiduelles, ce qui nous place également meilleure collectivité de France sur ce ratio-là. Bonjour, madame, Vincent Gassman, je suis vice-président de la communauté de communes Sud-Alsace-Largue. Vous savez à peu près combien vous êtes dans l'année? Non. Question piège? Non, alors je vais vous dire pourquoi, c'est mon mari qui s'occupe de ça. Il n'y a pas de souci, madame. Donc il m'a dit qu'il fallait qu'on diminue. Cette mère de 4 enfants a donc décidé d'investir dans un bac à compost. Alors dans le compost, il y a tout ce qui est épluchures, fruits, restes de fruits. Et on met les feuilles mortes aussi, puisqu'il faut des éléments secs et des éléments humides. Et en 6 mois, le poids de sa poubelle de déchets résiduels a déjà diminué de 30%. Alors, je dois vous préciser que la loi de transition énergétique de 2015 espérait pour 2020 15 millions de Français concernés par la tarification incitative, comme la pesée embarquée. Aujourd'hui, ils ne sont que 5,5 millions, donc 3 fois moins que ce que la loi espérait. Il y a encore un petit peu de travail.